Carte de toutes les mines du comté avec l'emplacement des stocks de dynamite. Allez, viens, on bouge. T'as entendu? Ouais. Est-ce que tu t'attendais à de la visite? Non. Je peux compter sur toi? Eh, j'aime pas commencer les bagarres, mais... je sais les finir quand il faut. Reste derrière moi. Eh, je suis pas grabataire. J'ai pas dit le contraire, c'est juste que... tu te souviens la dernière fois où t'es sorti? Ouais, donc je disais, je te laisse passer devant. On nous canarde! Ça m'approche! Des mutants. Bon sang, ils ont rameuté toute la ville avec eux. Des mutants. Je suis touché. Putain, quel bordel! Maintenant, tu sais pourquoi personne entre dans Sherman's Camp. Adi sera furax si elle apprend que tu risques ta peau, là, dehors. Ah ouais? Mais comment elle pourrait l'apprendre? Pas de moi! Bon, à propos des Reapers, pourquoi t'as tenu à montrer ça? Tu sais, Dick, je me revoyais un peu en toi à l'époque où t'étais au camp. Oh,
tiens à ton pote, t'as pas envie qu'il meure. Mais moi, n'importe quelle autre personne, peut crever. Les sentiments tuent plus vite qu'un mutant. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, c'est que pas en avoir, ça tue aussi facilement. Ce que les gens de Sherman's Camp ont fait, c'est se focaliser sur eux et leurs proches. C'est facile de tuer quelqu'un quand c'est juste un tas de viande entre toi et ce que tu veux. Schizo veut éliminer les Reapers parce qu'il les voit plus comme des êtres humains. Ils comptent plus. Ils sont qu'un obstacle de plus à ses yeux. Mais moi, je vois les choses d'un autre œil. Pas de ça chez moi. Tu sais, Schizo, il se demande pourquoi je suis pacifiste. Oui, il aime bien m'appeler comme ça. Il est convaincu que je vais tous nous faire tuer. Et c'est le cas, Mike, tu vas tous nous faire tuer. Un jour, on sera débarrassé des mutants. Quand ils auront enfin disparu, il nous faudra des gens pour tout reconstruire. J'aime pas plus que toi Carlos et ses Reapers. Même chose pour Tucker ou Copland et tous ses compatriotes de merde, ok? Mais écoute-moi. Tu veux bien, Dick? J'ai pas l'intention de perdre mon temps à essayer de les tuer. J'ai eu mon lot de tueries. Même si Carlos vient pour te tuer? Ma trêve tiendra bon. C'est une certitude. Je parierai pas là-dessus. Ta trêve tiendra plus très longtemps. Ouais, pour une fois, je suis de l'avis de Schizo. Les Reapers sont plus des humains. Ça, c'est clair. Bon, ok. Tu reviens bientôt, hein?
Bon, tu ouvres les portes. Je me demande comment va Boozer. Faudrait peut-être que je passe le voir. J'espère qu'il est réveillé. C'est Nick. J'étais en classe quand c'est arrivé. J'enseignais l'anglais dans un état de... Comment tu te sens, champion ? Dick... Je sais pas pour toi, mais... J'ai besoin d'un coup de main. Toi, reste allongé. Oui, chef. C'est trop tôt pour qu'il ait de la visite, mais... J'ai besoin d'un coup de main. Ok, on se voit plus tard. Je bouge pas de là. Hey, Doc, sérieusement. Est-ce que je pourrais jouer du piano quand tout sera fini ? Très drôle, William. Allonge-toi. Hey, je pourrais peut-être faire des gammes. Non, je suis sérieux, je ferais... Comme tu peux le voir, il se porte comme un charme. Sa fièvre est tombée. Super, c'est cool. Bon, je dois filer, j'ai des trucs à régler. Comme je te l'ai dit, William te doit une fière chandelle. Boozer me doit rien du tout. Bien au contraire. Hé. Hey. J'en ai sauvé deux autres. Eddie et Mia seraient morts sans ces antibiotiques. Je tenais à ce que tu le saches. Ravi de te voir. Hé, hey Blair, comment va ? Ok. À plus tard. John, ici Los Lake, répond. Ouais, Mike, Nick à l'appareil. On m'a dit que t'avais ramené Shane Riley, mais quand je suis allé le voir pour m'interroger, il était pas là. Ouais, à sujet, Mike. J'ai essayé de le ramener, vraiment. Et il s'est pas laissé faire. Il m'a pas laissé choix, Mike. J'ai pas pu faire autrement.